Président Moïse Mounidela, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous ici en direct de l'aéroport de la Luano. Retour Moïse Katumbi. Quelles sont vos impressions? Des impressions de joie. Mais surtout là, au moment où il arrive, je pense à Lutumba de Manueno. Il a dit que Mundele a salamandou qui a rouboma batou, kasi a rouboma vérité, Mundele a koutouti. C'est-à-dire l'homme blanc, malgré qu'il est inventif, il n'a pas su fabriquer une âme qui peut tuer la vérité. C'est les retours, c'est la victoire de la vérité sur le mensonge, c'est ce que ça veut dire. On a monté des dossiers de toutes pièces pour écarter Moïse Katumbi. Mais on ne l'a pas écarté de l'arène politique. Il rentre en tant que leader, leader de la Mouka, leader de l'ensemble, leader de la première force politique congolaise. Donc c'est une joie. Et je dis que Moïse, en dehors de tout, il a dit et il a accompli ce qu'il avait dit. C'était quoi? Qu'on ne puisse pas y avoir un troisième faux penalty. Ça ne s'est pas réalisé. Kabila est torgé aujourd'hui grâce à Moïse Katumbi. Grâce aussi à Félix Tshisekedi? Oui, grâce à Moïse Tshisekedi, grâce à la presse, grâce à Moïse Mounidela. Je suis prisonnier. Au moment où je parle avec vous, je suis un prisonnier. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Et Moïse Katumbi était en premier. Dans chaque lutte, il y a toujours des leaders. Et Moïse Katumbi, c'est ce leader-là. Et qui nous a promis qu'il n'y aura pas un troisième faux penalty. Donc je peux dire que c'est un match nul entre Kabila et Moïse Katumbi, mais avec l'avantage de Gora Average pour Moïse Katumbi. Parce que Kabila, avec toutes les armes qu'il avait, qu'il disposait, mais il n'a pas si terrassé Moïse Katumbi. Il revient un homme libre, il revient comme un Congolais. Et il, voilà, c'est une victoire de la vérité sur le mensonge. Moïse Mounidela, merci. C'est moi qui vous remercie. Quelles sont vos impressions par rapport au retour de Moïse Katumbi aujourd'hui à l'aéroport de la Luano? Je crois qu'il faut que le patriarche commence. Vas-y. Non, les impressions sont les impressions d'une émotion qu'on ne peut pas exprimer. Vous savez que le jour où le président Katumbi était parti, on a tenté d'abord à sa vie. Il devait mourir. Et il est parti malade. Première réaction, c'est le remerciement à Dieu le Père qui l'a protégé et qui est revenu en bonne santé. Deuxièmement, il rentre dans les cadres du combat politique, dans les cadres de la décrispation politique, parce qu'aujourd'hui, les exilés viennent, Franck Diongo est en liberté, le président Moïse Katumbi rentre, Moussa Yamoussi va rentrer, Jean-Pierre Bemba également. Ceci, je remercie personnellement le président Félix Tshisekedi qui a créé la décrispation politique. Donc c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Mais dans les cadres politiques, il y a la recomposition des équipes de force parce qu'à tous, c'est un gens qui vient pour combattre le changement de la constitution. Merci. Non, 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 non
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Salomon n'a pas encore reçu son passeport biométrique. Et donc, il y a une lenteur, elle est préoccupante et on espère qu'il l'aura très bientôt. Pourquoi? Les raisons sont? Non, non, mais ce n'est pas... Thank you.
Voilà.